en bas de chez moi et pas y aller, genre. Du coup, je vais rentrer à la salle de soir. J'aime trop mes nouveaux sourcils. Personne. Est-ce que vous savez comment je suis heureuse qu'il y ait personne? Je l'ai tellement manifeste. Je l'ai tellement manifeste. Let's go. J'ai commencé par de la course. Et après, on verra bien. On t'a fait mes étoiles. Je suis arrivée, il était 9h50. Non, je suis arrivée, il était 7h50. Là, il est 8h50. J'ai rentré dans ma maison. Je vais au 15e étage, je crois. Apparemment, il y a un jardin. On va voir comment c'est. Je vais m'aventurer dans un bourbier là. Je crois que c'est là-haut. Si je suis coincée, personne ne va me retrouver. Ah, ça marche pas. Je vais tellement prendre une douche dès que je vais arriver. Enfin, un des six que je suis. J'ai décidé qu'en fait j'allais aller à une PC Barn qui est à 10 minutes de l'hôtel. On va aller voir comment c'est. Pour genre une heure. Si, si. Tout à l'heure de l'hôtel. J'attends 10 ans. Mais bon, et je crois que je vais tout commencer. Mais bon, ça va m'arriver. Je pense que c'est la chose la plus longue que j'ai jamais attendue de toute ma vie. Il me reste que 39 minutes. C'est ok. Oh, c'est fou, un gros frère. Attendez, je vais essayer. En gros, si je veux pouvoir jouer, il faut que je me crée un compte IR. Et en gros, ici, il faut se connecter à un site et il faut envoyer un message sur mon téléphone. Et du coup, j'ai pas de numéro de téléphone ici. Du coup, bah, je peux pas me créer un compte. Mais bon. Tant pis. Ah là là. J'essaie de trouver une solution, mais ça work pas. Donc, on va abandonner. Je vois, 13 qui me presse en attendant. Je rentre un petit café pour ma Oma. Et j'ai bien envie de me prendre un petit truc à boire moi aussi. Parce que, bah, quand même, t'as quand même. Déjà, je vous montre notre feat. Bonjour. Hi everyone, how that you doing? Because I am. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de Inaya in Seoul. Seoul Diaries. On connaît toujours pas le nom à partir du 4e épisode. Je pense que je vais arrêter d'essayer de donner des noms et on verra plus tard. Aujourd'hui, je sais même pas quel jour on est, franchement, et je vous jure, je suis perdue. Mais aujourd'hui, on va aller au Nudake Café, qui est un café croissant à Séoul. Parce que oui, je viens du pays des croissants, mais manger un croissant à Paris et manger un croissant à Séoul, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Du coup, on va aller manger ça à Nudake Croissant. C'est un croissant. C'est un café que j'avais vu sur TikTok, partout sur TikTok, avec des cafés géants et tout. C'était super esthétique. Et du coup, après ça, on va aller à la Starfield Library, qui est une géante bibliothèque à Séoul. Et on va aller voir un magasin aussi qui s'appelle Arken Book, que j'avais vu aussi sur TikTok. Je me dis, ce serait bien si je trouve un petit livre en coréen, pas trop difficile à lire. Ce serait bien, ce serait pas mal. Comme ça, je l'achèterai là-bas, on verra. Et il y a un grand centre commercial, je sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai là. Et peut-être qu'on va aller voir, qu'on va aller se balader. Et ce soir,
on va aller soit au convenience store prendre des nouilles, des onigiri, etc. Soit à Yellow Chicken, un restaurant poulet halal à Séoul. Je crois qu'il est à Myeongdong, en tout cas proche de Myeongdong, entre Myeongdong et la Han River. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près vers là. Je mettrai une carte aussi si j'y pense. Et on va aller commander du chicken à emporter là-bas. Et on va aller manger à la Han River pour aller voir le coucher du soleil. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je ne sais pas si on va aller au convenience store. Je ne sais pas si on va aller manger le chicken. Ça se trouve, on va manger totalement autre part. Parce que j'ai l'impression là, on est grave en improvisation en vrai. Mais c'était sûr. Passez votre chimney card, passez-la à la fin et quand vous rentrez et quand vous sortez, parce que sinon vous payez plus cher. Voilà, voilà. Ah, y a personne, genre. Ouais. Oh, c'est trop bien. Des petits stickers pour mettre sur vos photos quand vous êtes chaud. Une vague espace, espace en nous. Et après c'est un tas, vous faites des photos et les photos elles sortent de là-haut genre. Next. Deux cuts, quatre cuts, six cuts. Quatre cuts ça suffit. Et droite, ça me stresse si c'est pas droit. Deux, c'est 6000 won, next. Zoom. Non, comme ça c'est mieux. Vite, vous posez des couches. Ok, vas-y. On va aller voir ce que ça donne. Et après, on a 52 secondes pour choisir celle qu'on préfère. Celle-là, elle est trop bien. Charging. I can't. Et tu peux mettre des couleurs, etc. Je préfère noir. XOXO. I keep up with the guys and I say never an hour but I say so the world I can't let a single touch cause I'm not just a pretty girl. Oh, y'a la vidéo. Trop bien. Non, il y aura un QR code et on pourra scanner le QR code et l'avoir sur notre téléphone. Et c'était 6000 won, je sais pas si vous avez vu. Quand vous scannez votre QR code, vous avez la vraie vidéo, genre. Ah, pourquoi c'est flou comme ça? Ah, elle est sur mon téléphone. C'est un croissant, wesh. Je jure, c'est dingue. Votre plateau et vous allez choisir ce que vous voulez manger. Donc je vais choisir et on se rejoint tout à l'heure. Ouais. C'est la troisième photo que je vois d'elle. Tu sens, oui, c'est bien simple et efficace quoi. On va à la statue du Brésil et on va aller voir la statue de Gangnam Style. Minimum. C'est super heureux quoi. Et il y aura des membres de BTS aussi. Comme à Hollywood. On est vraiment dans le quartier riche de Singapour. Il y avait des Chanel, des Cartier, des Ferragamo. Là on a un Miu. That's kind of cute. Oh, il y a un Fendi là-bas.
Regardez-moi ça. To let you leave, I never really had it coming. I can't be in the side of you. I want you to stay away from my heart. Ouais, un big sac Olive Young. MDR. 전화 좀 받아줘 1분만 내 말 좀 들어줘봐 잠깐만 죽을 것 같아서 나 숨도 못 쉬어 나 좀 살자 제발 한 번만 너의 집 앞에서 내 시간째 지저지는 내 맘 너 모르지 웃고 있니 행복하니 모든 주워가 날 버린 채 아프고 숨이 막히는 침묵 어느새 눈물을 가려버린 빗물 머리에서 발끝까지 소름이 끼치듯 내 피가 솟구치는 기분 중독된 것처럼 vous avez un sac offert ils nous ont donné 3, 4, 5 masques de midi heal. C'est trop trop bien. C'est dingue, je sais pas pourquoi, mais genre en vidéo, j'imaginais beaucoup plus grand. I found a way to let you leave. Son intérieur comme ça, et genre il y a la clim à l'intérieur. Et genre en été, mais non, on prend le métro. Et genre, quand on est en hiver, il y a du chauffage à l'intérieur, comme ça il fait chaud. Ils sont vraiment dans le cursus, genre. 시간이 약이면 왜 낫질 않지 이럴 순 없어 이건 사랑의 반치 미안해 난 참 욕심이 많아 수면제도 나를 돕지를 않아 밥맛이 바뀌었니 생각마다 이리저리 돌아다녀 몸부림치나 봐 하늘이 내게 내린 벌인가 아니 그리 쉽게 나를 버릴까 억지로 누군가를 사랑하며 또 살아갈까 별들 사이를 누비고 내 맘을 노래로 채우고 Don't leave, let me please 나의 좀 도와줘 Let me please ça à l'intérieur, vous avez plein de décorations, et là c'est un à thème, et genre vous avez des ramis de micro, c'est super stylé. Ici vous avez un truc genre tête dans les nuages un peu, et ok. Wow, c'est mon gros fier, merci, je l'avais pas vu. Et là vous avez genre des Jim Jilimba, je sais pas si ça se dit comme ça. Jim Jilimba, Jim Jilimba, bref, vous avez compris. Les trucs de spa là. Wali walou. On a bientôt de musique. Elle chantait Coca-Cola Machita. Market. Ah, on a vraiment fait tous les magasins qui avaient sur la rue. Wow, cramping. Offline, tu te fais. J'aime trop les sacs rouges. 20 000. Comme toi. I never really had it coming. I can't be in the side of you. I want you to stay away from my heart. Et la mal, je sais même. Je sais pas ce que vous avez fait. Après un truc comme ça, et genre en gros c'est une meuf que tu peux mettre pour t'allonger par terre quand tu fais des pique-niques. Alors 하늘의 수놓인 별들을 창문에 빗대어 널 그려봐 조그맣던 넌 아마 지금쯤 가장 반짝일 거야 Oui, mais elle va pas écrire. Il y a que des Français dans le restaurant. Un type nous a dit ouais, celui-là il est pas bon, prenez celui-là à la place, etc. C'est comme ça. Regardez bien ici, vous avez le truc, vous pouvez vous limiter. Regardez bien où vous êtes si vous avez des prises. Je fais pas rien. Je suis une manière.
저 별에 내 목소리가 닿을 닿을 수 있다면 좋겠어. 내가 아무리 소리를 질러도 너는 참 예뻤단 걸 모르는 게. I think that this is better like that. Genre, je me vois un peu dans la caméra derrière. J'espère que ça revient. Parce qu'il n'y aura pas de deuxième shoot. J'allais refaire l'introduction, mais vous avez déjà vu l'introduction parce qu'on est un peu au milieu de la vidéo, genre. But, let me explain myself. Hi everyone, I hope that you're doing good because I am. Je refais l'introduction parce que sinon ça me stresse de ne pas refaire l'introduction alors que c'est la première fois que je vous vois, genre. Oh my god, je raconte n'importe quoi. C'est la fin de ce petit vlog de ma quatrième journée in South Korea. Et en fait, en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de vlogs qui restaient et que les deux dernières vlogs à Séoul, je trouvais que c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant de les contracter et de vous montrer un petit peu ce qu'on a fait pendant ces deux derniers jours. Parce que le prochain vlog, ce sera un vlog à Jeju, qui était super bien. Et d'ailleurs, petit disclaimer pour la qualité des vlogs à Jeju. I'm so sorry guys, mais j'avais plus d'espace. Du coup, j'ai filmé les vlogs sur Snapchat. Ce qui fait que the quality is not as great that it was on the other vlog, but the quality is still great. So I just hope that you're going to like it. I hope. Et pour ceux qui continuent à regarder, qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils kiffent les vlogs de Séoul, je vous remercie. Je vous aime trop, trop, trop. Je vous aime trop, trop, trop. Parce que j'ai beaucoup aimé filmer les vlogs de Corée du Sud. Même si je me suis rendu compte en faisant le montage que j'avais encore plein de choses à m'améliorer niveau plan, etc. Et je pense que ce voyage, il m'a permis de vraiment un petit peu comprendre the type of like content that I want to do, ce que je voulais filmer, etc. La façon dont je dois filmer. Et je pense qu'après les vlogs de Séoul, normalement la qualité des vidéos, pépite. Ce sera pépite. Donc, on passe. N'oubliez pas sur Instagram, à la fin de tous les vlogs, on aura une FAQ. Donc, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me les poser. Ce vlog, il apparaît un petit peu tard parce que c'était vraiment un montage de dernière minute, comme j'étais censée poster encore deux autres vlogs avant d'aller à Jeju. Mais du coup, je vais vous dire ce qu'on a fait pendant ces deux derniers jours. Parce que c'était des petites journées, mais qui étaient quand même intéressantes. Et il y avait des choses que je voulais absolument vous montrer. Du coup, je vais vous expliquer ce qu'on a fait là. Donc le lendemain, on est parti se balader à Hongdae. À Hongdae, on a fait du shopping, on a échangé de l'argent et on a mangé. Donc on est parti manger dans un barbecue coréen halal que j'avais vu partout sur TikTok qui s'appelle Teutbeok. If I'm right, if the pronunciation is good, I hope so. Et c'était un barbecue qui était franchement plutôt bon. On a pris ça comme viande. Et franchement, j'ai pris ça et un riz aux crevettes. Et franchement, le riz aux crevettes, il était pépite. Il était vraiment super bon. J'avais vu une vidéo d'une youtubeuse que je suivais plus sur TikTok et qui l'avait montré sur TikTok, le restaurant Corée du Sud. J'étais là en mode, il faut que je goûte ça. Franchement, je trouve que la viande, c'était pas très ouf par rapport à ce que je m'attendais. Ou peut-être je m'attendais à un truc tellement bon que j'ai été déçue, je sais pas. Mais après, il y avait plusieurs viandes sur la carte et on en a testé que deux. Donc enfin, il faut voir si vous, il y a d'autres viandes que vous voulez tester, etc. Et peut-être qu'elles seront meilleures. Mais le riz aux crevettes, c'était pépite. C'était super bon. Et ça, on est parti à Olive Young, qui est le Olive Young le plus grand de Séoul. De ce que j'avais vu, en tout cas sur TikTok, c'est un Olive Young de 3 étages. Je vais vous laisser avec la vidéo. Il y a grave du monde. Je suis grave dans le rush. Du coup, j'ai oublié de vous filmer. Mais il est... Après, il est grand, mais genre ça va. Genre, je m'attendais à beaucoup plus grand. Ils ont une partie pour les cheveux, avec des fards à lisser, etc., des couleurs. Et après, là-bas, vous avez tout ce qui est trucs pour les dents, blanchir les dents, etc. Trucs pour la maison, des AirPods, MDR. Et sheet mask, vous en avez blablabla. Ah, genre, là, les prix différents. Et vous avez tout ce qui est produits pour la peau, etc. Cleaniser, crème solaire. A lot of different stuff. Et franchement, le Olive Young, il était plutôt grand.
Tous les étages, ils étaient bien organisés. Vous aviez un étage avec que les caisses, un étage avec tout ce qui est produits skincare, avec des produits nourriture un peu diététique. Après, vous aviez une partie pour les hommes avec de la skincare pour hommes. Vous aviez des produits pour les cheveux avec des sèche-cheveux, etc. si vous vouliez les tester. Et franchement, c'était super bien. Et quand on est arrivé en Corée du Sud, je crois que je l'ai déjà dit, mais on est arrivé pendant les promos de Olive Young. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous avez mon code promo Olive Young et YesStyle, si vous voulez. Et quand on est arrivé en Corée du Sud, il y a plein de choses qu'on a achetées qui étaient en promotion, où il y avait des cadeaux à acheter, de offert, etc. Donc franchement, c'était super bien et on est sorti avec 4 gros sacs parce qu'on a fait des cadeaux pour la famille, des commandes, quoi, des trucs qu'on nous avait demandé d'acheter, etc. Donc on est rentré chargé, quoi. On est rentré chargé. Et on est rentré dans un magasin thrifting. Et genre, en gros, c'est un magasin où il n'y a personne. Et c'est toi qui fais tes achats et tu payes tout seul, genre. Comme un grand. Et c'est tout petit. Et c'est vraiment genre vintage, genre. C'est pas des lol. On est parti à Hongdae. J'ai pu enfin voir le karaoké le plus famous de la Corée du Sud. Il y a le karaoké dans JR. Je crois qu'il y a une autre rêve de base, mais moi j'ai que cette rêve là, les amis. Donc, MTR. Je crois que la deuxième rêve c'était True Beauty, mais moi je l'avais vu chez Angelia qui avait fait un 24 heures dans le karaoké et c'était vraiment super drôle et j'ai trop kiffé la vidéo. Et ensuite, on est parti manger chez Soul Pink. On a mangé des glaces coréennes et franchement c'était super bon. On en avait pris une à la mangue, c'était super rafraîchissant et c'était super gros. Au début, on a hésité à en prendre deux et après on était là en mode non, on sait jamais, on sait pas comment c'est, prenez pas deux. Si vous êtes deux, prenez-en un seul. Parce que franchement, on était en train de manger, on était comme ça. La glace était super grosse, mais franchement, c'était super bon. Et en gros, c'est de la glace pilée avec... Enfin, c'est du lait qui est pilé avec du lait concentré. Et ensuite, ils rajoutent un sirop de mangue avec des mangues. Et il y avait des petits copeaux de chocolat blanc. Et franchement, c'était super bon. J'ai trop kiffé. Ensuite, le lendemain, on est parti à la mosquée d'Itaewon. C'est pas où je vais. Du coup, je vais suivre le monsieur. On verra bien. MTF. Donc, la plus grande mosquée de Corée du Sud, Ifam Geud. La mosquée, elle était super grande. Il y avait beaucoup de monde, je trouve. Et de plein d'origines différentes. J'ai croisé une fille qui venait de Somalie, qui était super mimo, qui voyageait seule, etc. J'ai croisé un couple de deux Français qui voyageaient. Et en fait, je me suis rendu compte que genre, les gens, ils voyagent de ouf. Mais en fait, on ne se rend pas compte quand nous, on reste dans notre pays, etc. et qu'on est juste là et on ne bouge pas, vous voyez. Mais en fait, il y a plein de gens. J'ai croisé des gens qui faisaient la Corée du Sud. Après, ils allaient aller au Japon. Et ils ont fait plein de pays en même temps. Et franchement, je trouve ça super bien. Parce que j'ai rencontré plein de Français. Plein de Français. Je crois que j'avais jamais rencontré autant de Français. Vous avez la salle de prière pour hommes. Mais je ne trouve pas ce que je cherchais chercher, en fait. Oui, français. C'est ok. Oui, mais je te jure, il y en a partout. Mais je sais que t'es genre la cinquième française que je vois aujourd'hui. Genre. Ouais, je pense aussi, moi j'ai arrêté de compter. Mais c'était super bien, la vibe elle était super cool. Quand j'étais là-bas, je voulais récupérer un Coran en coréen, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris des livres sur la religion en souvenir de la Corée du Sud. Et ensuite, on est parti manger un bibimbap à Salsa. Je crois que c'était le nom Salsa. Ou Salt, et c'était un restaurant qui était super connu sur TikTok. Et comme c'était à côté, on s'est dit bah allons-y. C'était pas un restaurant halal pour dire, mais ils avaient une option poisson et saumon. Et moi j'ai pris l'option saumon, et franchement c'était super. Bien. Après, vous mettez dans l'assiette, et quand vous avez vidé tout le riz, vous mettez l'eau que là dedans, comme ça, ça vous fait une soupe. Voilà. Après, on a fait le plus grand Daiso de Corée du Sud, et en vrai, j'ai été déçue. 12 étages. Force à nous. En fait, ça se fait super rapidement. Je pensais qu'on allait rester à au moins une heure et tout. Mais en fait, c'est grave rapide. Et t'as pas l'impression que c'est si grand que ça. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Le Daiso, il faisait 12 étages en tout. Mais les étages, ils étaient plutôt petits. Mais ils étaient super bien organisés. Ce qui fait que moi, je pensais qu'on allait rester, bah, comme je l'ai dit, une heure dans le magasin. Alors qu'en fait, ça s'est fait plutôt rapidement. Mais en fait, c'est un petit peu un équivalent d'Action. Mais en un petit peu plus grand. Et plus complet, je dirais, et plus organisé.
Parce que action, donc c'est commencé. Ensuite, on a continué à se balader à Myeongdong. Et après ça, on a fait de la street food coréenne parce que je voulais absolument tester la street food parce que c'était, il nous restait que 3 jours, je crois, en Corée du Sud et on n'avait pas eu le temps d'aller au Gwangjeon Market, etc. ou dans les Moon Market. Du coup, on est parti tester la street food à Myeongdong et j'ai mangé des trucs aux crevettes, il y avait des tangoulous, il y avait de la viande et vous pouvez bien regarder parce que des fois, il y a des stands qui sont halal. Après, c'est à vous de voir, mais il y a plein d'options, poissons, saumon, etc. J'ai testé plein de trucs. Les gens étaient super gentils, il y avait une trop bonne vibe et franchement, j'ai grave kiffé la vibe Hongdae Myeongdong. Faut que j'arrête de parler. C'est pas le sujet de cette vidéo. Dans la Q&A, on se reverra. Et du coup, on a fait tout ça et franchement, c'était super bien. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de me suivre sur mes réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. Et n'oubliez pas de vous aimer parce que personne ne vous aimera comme vous le faites. Bisous. Je sais pas si ça t'aurait existé.